Bon après-midi à vous tous. On pensait au moment où je pouvais gagner cette vidéo-là, je pouvais déjà en pleine célébration des fêtes pascales, qu'il faut être en famille, puis manger, puis célébrer carême pendant 40 jours, fin de passer dans le confinement, j'étais renouer notre relation les uns avec les autres, et je peux passer un moment exceptionnel en famille. Et ça, c'est nos rêves, ça, c'est toujours mon souhait, ça, mon prier pour qu'ils s'attendent au confinement-là. C'est ça qui nous fait, nous passe nous les temps, un les temps merveilleux avec nos familles et nous renouer ben lien, pas lien comment dire, c'est un peu comment dire, casse-casser, c'est comment dire, comme un élastique qui vient échauffer et comment dire, tu peux attendre simplement une simple affaire pour casser, mais maintenant avec le confinement, et puis surtout la grâce de la Pâque, de la résurrection du Christ. Ça pour être refaire un petit peu d'autres liens d'amitié, d'amour entre famille, entre mari-femme, entre enfants et parents, et qu'ils profitent de sa célébration de la Pâque-là pour vraiment inviter Jésus ressuscité dans toute la vie et lui faire ressusciter tout ce qui est mort, tout ce qui est bon dans la famille, dans notre relation, tout ce qui est mort, ressuscité avec lui. Joyeuse Pâque à vous tous. Ok, nous continuons nos cheminements, nos réflexions par rapport à nous en tant que peuple pascal, en tant que peuple qui vit le mystère pascal, qui manière nous peut vivre nous la vie, de fait que ça reflète vraiment le mystère pascal. Et nous venons d'abord cause sur le jeudi saint, nous disons comme ça le jeudi saint, le tout dans le sens de bien faire des efforts pour être Eucharistie pour l'un, pour les uns et pour les autres. Et nous commençons toujours, toujours, commence à la base, c'est-à-dire avec nos familles. Tout geste, toute action qui nous fait, qui manière les bien provoque un merci de la part de celui qui peut recevoir ce mot-là, ou bien peut recevoir cette action-là. Alors, l'illogique, ça veut dire si nous faisons quelque chose de bon pour quelqu'un, bien sûr, nous gagnons un remerciement. Bien sûr, cette personne-là pour eucharistier nous. Nous pouvons un merci. Et nous pouvons gagner un merci de la part de cette personne. Si nous faisons quelque chose de pas bon, bien sûr, c'est pas ça qui nous pouvons gagner. Nous pouvons gagner un remerciement, nous pouvons gagner une reconnaissance. Et en même temps, un petit rappel, nous faisons quelque chose, nous faisons nos efforts pour faire ce qui est bon. Le jeudi saint invite-nous à faire ça, faire quelque chose qui est non de bon pour les autres. Mais qu'en même temps, c'est bon aussi, comment dire, celui qui peut recevoir ça la grâce de cette action, de cette bonne action. Lui rendre grâce, lui aussi lui dire merci. Hein? Pareil, comment ça dit lépreux qui finalement, ils ont guéri, ils demandent d'autres guérisons, Jésus donne d'autres guérisons. Après, c'est allé. C'est un seul qui est retourné pour rendre grâce, pour dire merci. En fait, Jésus pas bien merci là, lui. Mais seulement, il fait attirer l'attention que finalement, il y a quelque chose de bon qui a été fait. Et le fait de revenir pour reconnaître, c'est valoriser d'abord le don qu'il venait recevoir, mais en même temps, valoriser le donateur, ouais, que la personne qui donne nous ça, ce don-là, ben, il mérite aussi tout comment nous dire, toute la reconnaissance qu'il nous a donnée. Parce que ce acte, c'est un acte gratuit, un acte qui est bon. Et puis, on dit pour Vendredi Saint. Vendredi Saint, c'est comment dire, nous connaissons la croix. Vendredi Saint, nous connaissons la croix, nous avons souffrance, nous avons détresse. Et puis, nous connaissons la croix aussi, la croix d'amour, hein, et nous essayons de vivre ça dans le sens qui, ben, la croix nous offre au Christ qui aide nous pour sortir, et en même temps, nous aide à sortir la croix des autres, nous venons un peu Simon de Cyrène. Mais dans tout ça, la croix, c'est pas la croix de malédiction, c'est la croix d'amour, et nous vivons, nous vendredi saint dans le sens qui nous connaissons la croix. Nous connaissons la croix, nous connaissons nos souffrances, nous connaissons notre détresse, hein, et là maintenant, nous rentrons dans le samedi saint. Samedi saint, là, c'est un peu tard, ça. Il est vrai que le vendredi saint ne peut sortir de la croix. Donc, nous connaissons la croix, nous trouvons ça. Hein? Même si madame dit c'est dans la croix de souffrance. Nous trouvons, nous sentons, nous lourds, nos maladies, nos problèmes, nos confinements, nos angoisses, nous la peur, nous la crainte par rapport à l'avenir, nos peurs de contamination. Tout ça, c'est dans la croix qui nous fait sortir et nous connaissons ça. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous prier, nous demander, nous prier, nous réprier, nous redemander. Et nous demander les autres, dis-nous aussi, prier pour nous. Nous gardons la foi.
Et dans cette période-là aussi, nous la foi vraiment solide, quand nous pouvions nous sentir vraiment, qui, comme moi, il y a beaucoup de monde, me sentir sa concentration-là, me sentir sa ferveur-là, me sentir sa profondeur-là, me sentir sa connexion avec bon Dieu-là, parce que moi, dans mon souffrance, moi, dans mon la peine, là, mon peut causer avec mon équerre. Et puis, à un certain moment, causer, 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 et puis, pas t'en nier même. Pas trop n'en nier. Comme si tu sais que nous nous faisons dans le vide. Tout ça, attendre qu'il ne peut attendre, ne pas gagner n'en nier. Tout ça, l'espérance de nous mettre dans le bon Dieu là, ne pas trouver aucune réponse. Alors, qu'arriver? Nous désespérer. Nous perdre courage, nous perdre patience. Ça, c'est samedi saint. Samedi saint, c'est le tombeau. Samedi saint, c'est la mort. Samedi saint, c'est le vide autour de nous. Samedi saint, c'est la mort de l'espérance ou bien de ma attente qui nous tient. Non. Samedi saint, c'est comme si on arrive au fond de l'abîme et ne pas connaître qui pour faire. Alors, samedi saint, les amis, quand nous posons la question, qu'autre bon Dieu l'a aidé? Qu'autre comme au pli bizarre. Dans mon vendredi saint, il n'y a pas sorti la croix avec moi. Ouais, il est présent avec moi. Mais après, mais qu'autre bon Dieu là, qu'autre y était? Et sa même question, on peut poser, peut-être là, dans sa confinement qui nous était là. Nous avons pu attendre que le confinement-là finisse. Nous avons pu attendre qu'il nous trouve une solution maintenant, là, à partir de là, maintenant, depuis l'année dernière, depuis en décembre, ces affaires-là peuvent commencer à menacer. Mais qui manière, à partir d'aujourd'hui, il arrive avril, il arrive Pâques, il arrive Pâques, donc on peut confiner. Alors, quoi de bon Dieu l'a été? Confinement peut augmenter, fin étendre. Nous situation, pour certaines personnes, situation de travail, pas connaître que l'avenir peut réserver. Pour ben des gens qui viennent contaminer, qui sont en quarantaine, je pas connaître qui peut arriver. J'autre, nous peut prier comme les gens peuvent prier. Les papes peuvent offrir une bénédiction spéciale, une adoration spéciale. Tout ben l'église dans le monde a pu prier pour ça. Tout ben religion dans le monde. Tout ben chef religieux, n'importe quelle religion, je peux mettre toute la foi ensemble, peux mettre les efforts ensemble, peux mailler et piquer, peux demander, peux supplier ça, bon Dieu là, pour tirer nous dans un problème là. Et nous qui nous pétendons, nous ben médecins peuvent commencer à contaminer, nous ben policiers peuvent commencer à contaminer, nombre de morts peut commencer à augmenter, nous gagnons un petit, comme dit Cosé, un petit soulagement par-ci, par-là, les temps de dire comme ça, certaines personnes viennent sortir dans quarantaine, mais à là, qui, confinement peut prolonger, du monde peut commencer à gasser, et on peut profiter de l'occasion pour voler de camarades, et on peut profiter de l'occasion pour boire du sang malhéré dans sa situation-là, et nous demander, qu'est-toi, bon Dieu, tout ça crier dans le crier, qu'est-toi, nous dans nos samedis saints, là, nous dans nos samedis saints. Dans le temps de l'absence, dans le temps du silence. Nous dans Satan, dans ça le temps de l'abandon. Alors, là, c'est comment dire, nous pouvons vivre, nous samedi saint, nous la foi peut commencer, comment dire, ébranler, et nos doutes peuvent commencer à rentrer dans la tête, et ça, dans cette période-là, c'est là qu'on a le droit de s'y mettre facilité pour couper avec sa situation-là, avec sa situation de vide, de doute, d'absence. C'est dans sa situation comme ça-là, comment je te largue là, mes bon Dieu, comment je te pensais, bon Dieu, fin abandonne les autres, là, je te retombe, t'attrape un autre la main, il est capable de l'alcool, il est capable de la drogue, il est capable de vice, jouer, il est capable de distraction malsaine, etc., etc. Mais samedi saint, mes frères, mes sœurs, côte Zézi l'a été. En 1989, en Arménie, il y a eu un grand tremblement de terre. Et à peu près 30 000 d'immunes qui perdent la vie. Un tremblement de terre, là. Il y a un papa. Le matin, il quitte ce garçon l'école. Et l'école, là, aussi, est dévastée. Complètement égraboulée. Regardez. Du monde est entouré partout. Et, ben, du monde peut faire ce qu'il est capable de faire, mais c'est une catastrophe que ça. Terrible, une catastrophe terrible. À un certain moment, Djibouté, d'abord, je comprends, désolation, tristesse, chagrin. Et puis, il calculait tout le temps, il étudiait avec ce garçon, Aman, n'importe qui affaire qui arrivait, moi, pour toujours venir pour me retrouver.
Imagine ça bien. Ben, quand il pense ça, il a dans direction que de classe ce garçon, il pensait qu'il était. Il commence à fouiller, il commence à enlever une brique avec la main. Ben, il dit, il est fou. Il n'a pas commencé à se moquer et tout. Mais il fouillait, 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 fouillait pendant 38 heures. Pendant 38 heures, il fouillait. Et puis, moment, il trouve comment dire, c'est une plaque, il tente comment dire, un son. Il tente comment dire, un murmure. Des rissés. Et là, du monde commence à coster, commence à fouiller et tout. Et il criait, Aman, c'est toi ça? Et la voix, oui, papa, moi ça. Là, ben, des gens qui sont là, ben, parents qui sont encore là, ils commencent à venir, donnent un coup de main, fouiller, et ils retirent 33 enfants dans sa trou-là. Ils retirent Aman et ses 33 camarades. Là-dedans, 14 encore vivants. Alors qu'on cause samedi saint, c'est l'absence de Dieu. Et Aman, peut-être, peut faire ce samedi saint, en bas sa bonne rose là, en bas sa bonne brique là, dans sa tremblement de terre là. Mais lui, il garde une confiance totale. Qui sont papa pour une série. Et peut-être, ce bon camarade là, ce bon camarade là, il finit perdu, il finit désespéré parce qu'il est un man sorti. Il donne coup de main, libère ce bon camarade qui tient dans la dent. Il donne coup de main fouillé. Et ce 14 camarades qui restaient là, les dix autres, mon petit bien dix autres, qui est mon papa pour venir chez moi. Samedi saint, Jésus dans ton tombeau. Ce bon disciple, il dispersé. Samedi saint, je peux vivre dans la peur, dans l'angoisse. La peur pour sa propre vie. Samedi saint, je peux vivre dans le désespoir parce que celui dans lequel je vais mettre l'espérance, fin mort. Samedi saint, c'est l'isolement. Alors, samedi saint, c'est la côte nous dire comme ça, bon Dieu, fin faillir nous. Bon Dieu, fin abandonner nous. Alors, dans nos samedis saints, nous désespérer, parfois nous perdons confiance. Parfois, nous perdit, comment dire, ça, la foi. Et nous bizarres, comme dit Cosé, dans nous samedi saint, trouve ban di moun. Peut-être, nous-mêmes, nous capables de vivre ce ban di moun là, pour aider ban les autres di moun qui peuvent vivre ce samedi saint, notre l'absence de Dieu. Pour dire comme ça, tini ferme, papa pour venir, il vient promettre, lui pour venir. Tini ferme, Jésus pour venir. Les filles promettent pour nous prendre nous. Tini ferme, Jésus pas pour abandonner nous. Même si nous pas trouvé, même si nous pas tant lui. Il pas pour abandonner. Et ça nous trouver, c'est l'assurance que les filles donnent les disciples d'Emmaüs, ça. Qui le samedi saint, peut prendre ses mains, peut aller parce qu'il pas fini, les filles mort, fin mettre au tombeau. Ben là, il retourne la case désespérée, les autres l'espoir, fin tomber. Mais alors nous posons-nous, mes frères et sœurs, mais samedi saint, côte Jésus a été. Alors nous, la foi, dis-nous comme ça, qui Jésus, il est descendu aux enfers. Oui, il est descendu aux enfers, mais quel enfer? Dans l'enfer, mot dépression, dans l'enfer, taux dépression, dans l'enfer, mot doute, dans l'enfer, taux doute, dans l'enfer, ça va un questionnement qui nous peut poser, qui n'a pas une solution, pas qu'il trouve solution. Il descend dans l'enfer là, mais il n'est pas voulu amener nous là-bas, parce qu'il est trop vilain là-bas. Trop difficile pour nous là-bas. Alors, laisse-nous en place, tiens-nous comme ça, attends. Pas désespéré, attends, moi, pour retourner. Moi, descendre dans ton enfer, moi, tiens-toi, mon vini. Moi, retenir secours pour toi. Moi, descendre dans cet enfer-là, pour tirer-toi là-dedans, pour rase-toi là-dedans. Mais, toi, attends-moi. Pareil comme un papa. Un papa qui dit en danger. Pour dire que ses enfants, bon, attends-moi là. Mets les enfants dans une place de sécurité. Attends-moi là, mon vini. Il y a comme dit, un débordement devant la rivière, un débordement. Mais bien traversé par l'autre bord. Et papa la connaît, moi pas capable, prends-toi ensemble à moi pour m'aider de l'autre côté. Laisse-moi de l'autre côté, moi rodelette, mon vini. Moi, c'est un canot, moi, c'est un bateau, moi pas connaît. Mais moi pour traverser, moi pour nager, moi pour aller de l'autre côté, moi cesse l'aide, mon vini. Mais toi, attends-moi là. Pour sa propre protection, nous pouvons demander, attends-nous là, peut-être dans la forêt, n'importe quel côté, mais nous pouvons trouver une place, nous pouvons trouver un endroit. Quand nous tiens nos enfants là, ils sont en sécurité, jusqu'à ce qu'ils nous viennent, parce que tous les deux, nous ne pouvons pas cavaler tous les deux ensemble. Pour sa sécurité, vaut mieux les rester là-même là. Aller à la rodelette,
nous retourner. C'est peut-être ça que Jésus fait. Pour nous vendre, nous sommes saints, c'est Jésus qui dit nous comme ça, attends, prends patience, n'a pas désespéré, n'a pas abandonné. Moi, pour aller, pour libérer autres encore mieux, et moi, pour retourner, pour amener ça la vie nouvelle là, pour amener sa guérison, pour amener sa nouvelle espérance là pour autres. Dans nos situations de COVID-19, nous sommes nous certains qui COVID-19 pas poignant le dernier mot. Et nous devons tenir ferme. Dans le confinement, peut-être là, nous commençons à gasser. Nous commençons à dire, envie sortie. Nous n'avons pas envie, commence nous désirer pour aller, pour confronter la loi, pour le casse, pour le désobéir à la loi confinement, la loi couvre-feu. Nous pourrons sortir, nous pourrons aller joindre camarades. Et Jésus peut dire, nous comme ça, attends. Pas bouger. Tu peux vivre le samedi saint, là. La résurrection, pas trop loin. La résurrection, elle n'est pas trop loin. Prends patience. Le samedi saint, Satan croit qu'il gagne là. Parce qu'il finit mettre le Christ, non seulement en croix, mais au tombeau. Satan peut donner une balle là. La même là, il sortit, il fait tout simplement un disciple qui est capable, là. La même qui met un tas de doutes, la même qui a son victoire. Que tu mets confiance dans sa bonté là, Allah, il là, il abandonne toi. Moi qui ai la parole. Moi qui te viens suivre. Et c'est là que beaucoup de monde compte de toi. Dans sa mort, tu te sentis, bon Dieu n'est pas là. Mais moi, je dis à que bon Dieu était. Bon Dieu, dans nous, l'enfer. Là, en cette période-là, de COVID-19. Bon Dieu, Jésus, quand tu étais dans le deuil de toute sa famille qui te pleure, sa timon qui prend sur les autres là qui finit aller. Puis dans souffrance, tout sa bonne qui finit contaminé et qui finit testé positif. Puis dans son angoisse, tout sa bonne médecin, pas d'infirmier, pas de professionnel de la santé, tout ça monde dit monde qui paye la guerre, tout ça monde dit monde qui travaille d'arrache-pied pour faire qu'il trouve une solution à sa COVID-19 là et qui peut prendre risque de contamination pour eux-mêmes à la côte qu'il était, à la dans quel enfer il était. Puis dans l'enfer, nous avons doute, nous avons incertitude. Le bon désir d'abandon, le bon solitude, et dans cet enfer-là. Et il n'a tout seul. Et il dit nous, attends. Patience. Confiance. Moi pour vaincre la mort, moi pour vaincre de l'enfer. Moi pour vaincre la mort, et moi pour vaincre de l'enfer. Moi pour vaincre de contamination, bon, pour vaincre sa COVID-19 là, mais tu es bien patient, tu es bien confiant, garde de la foi. Et quand on arrive, pour moi, tout le temps, me dire, quand on arrive à ce moment-là, quand on a senti la présence, c'est un sentiment d'abandon, de rejet, quand nous tous seuls, de pas tant bon Dieu qui nous sauve, nous dire bon Dieu aveugle, pas trop nous. C'est là qui nous sire et certain que la résurrection est proche. C'est là que nous sire et certain que le Christ, pour sortir de ce tombeau, et pour sortir de l'enfer, il peut nous renouveler, sauver, et redonne-nous, ça la joie de vivre, ça la force qui nous bise, ça l'énergie qui nous tient depuis avant là, et redonne-nous ça goût à la vie. Et de nous un nouveau la vie complètement. Et voilà de manière, nous en tant que chrétiens, en tant que catholiques, chaque fois qu'ils nous vivent, c'est une situation comme ça là, surtout la situation que nous dit, bon Dieu, papa, écoute-nous la prière, bon Dieu, papa, éteins-moi, bon Dieu, n'abandonne-moi, et qui me gagne l'impression, et qui me gagne, et qui me gagne dans sa désir pour abandonner là, mais là, nous pouvons vivre le samedi saint, le temps de l'absence, le temps du tombeau.
Le dimanche, la résurrection, pas loin. Le dimanche, la résurrection, nous, c'est la guérison. C'est la libération. C'est le Christ ressuscité qui donne nous une nouvelle chance à nous la vie. C'est le Christ qui vient nous dire nous, l'amour, la paix en victoire pour nous. C'est le triomphe du bien sur le mal. Et nous vivons ça. Nous vivons un moment de joie dans la vie, quand nous sortons dans la difficulté, et grâce à Dieu, nous sentons maintenant un autre dimanche. Nous commencerons à vivre. Et ça, dimanche de la résurrection, là, nous vivons tellement, tellement, presque tous les jours de la vie, qu'il nous parle de finir, et chaque fois nous gagnons des problèmes, chaque fois nous gagnons des angoisses, chaque fois nous gagnons des difficultés, qui nous rôde ça même, parce qu'il nous dit déjà là-bas. Donc, dimanche, la résurrection peut venir tous les jours. Tous les jours. Donc, nous connaissons ça. Nous connaissons. Nous connaissons quelle qualité il était pour nous. Nous connaissons quelle manière nous avions été sans le virus. Même si nous n'avons pas contaminé, nous connaissons comment nous avions été avant que, comme a dit, le virus finisse dans Maurice. Nous connaissons ce que nous faire. Nous tenons nos propres sens, nos propres significations, nos propres définitions de, du bonheur par rapport à la manière dont nous pouvons vivre, la manière dont nous pouvons être dans nos perspectives. Donc, nous, tu es ressuscité, ça vient nous connaître la résurrection chaque jour. Et là, dans un contexte-là, que peut-être parmi nous, beaucoup, encore dans ce samedi saint-là, ben, le Seigneur peut dire comme ça, patience, patience, la résurrection n'est pas loin. Amen. Rapprochons la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer ban doute dans mon esprit. Au milieu, mon lépreux, mon ban souffrance, mon maladie. Rapprochons la foi, Seigneur Jésus. Rapprochons la foi. Seigneur Jésus, aide-moi pour tirer ban doute dans mon esprit. Au milieu mon lépreux, mon ban souffrance, mon maladie, renforce-moi la foi, Seigneur Jésus. Toi qui un jour fin déclaré, demander. Pour gagner, au des autres pas découvert, tape la faute, les bouvères. Nous vivons toi dans nos souffrances, nous t'imanons toi avec confiance, ouvert pour nous, la faute, l'espérance. Renforce-moi la foi, Seigneur. Aide-moi pour tirer ban doute dans mon esprit. Au milieu mon lépreux, mon ban souffrance, mon maladie. Renforce-moi la foi, Seigneur Jésus. Toi qui invites nous, qui dans la peine, vous donne-toi tout nos fardeaux. Te finis-nous les, casse-nous la scène. Prends-nous la croix, l'eau, les deux. Nous amène douleur pour nos enfants. Et que nous menace qui paie full camp. Sauve-nous, Seigneur, ban tentation trop grande. Renforce-nous la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer ban doute dans mon esprit. La foi, Seigneur Jésus.
à toi dans ton fait l'eau de la mer. Viens nous bénir, avis un père, continue et garde-nous la foi. La brise tracade a fait souffler, gros vagues souffrance a écrasé. Rappe-nous la mer, n'a pas laisse-nous couler. Enfonce-nous la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer pan doute dans mon esprit. Oubliez mon épreuve, mon pan souffrance, mon maladie. Enfonce-nous la foi, Seigneur Jésus.